Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler de la mondialisation dans les pays émergents. Je rappelle que la mondialisation est la mise en place d'une échelle mondiale, c'est-à-dire que l'économie, le commerce, les firmes, la finance, le numérique, les loisirs, les sports, les maladies se développent au niveau de la planète. La question qu'on peut se poser est la suivante. Cette mondialisation uniformise-t-elle le monde? Premier point, définition. Les pays émergents ont des économies capables de concurrencer les économies avancées ou pays développés, que sont par exemple les États-Unis, le Japon, l'Allemagne ou encore la France. Quelques caractéristiques. Premier point, ces pays sont caractérisés par un revenu par habitant intermédiaire situé entre ceux des pays en développement, par exemple les PMA, les pays les moins avancés, donc un revenu par habitant faible, et ils sont situés par rapport à ceux des pays avancés qui, eux, ont un revenu par habitant élevé. Deuxième petit point, ils ont un taux de croissance du PIB, c'est-à-dire de la production du pays, supérieure ou égale à la moyenne mondiale. Troisième petit point, les pays émergents mènent des politiques d'ouverture sur le monde, le commerce, tout en ouvrant progressivement leur territoire à la concurrence. Ils bénéficient notamment de l'implantation industrielle et des services de la part des firmes transnationales d'origine occidentale, américaine, européenne ou japonaise. Ces pays sont aussi capables d'investir à l'étranger tout en développant leur propre firme, leur propre entreprise et participer activement à la mondialisation. Enfin, quatrième petit point, ces pays bénéficient d'une stabilité politique, n'excluant pas toutefois des régimes autoritaires, comme par exemple en Russie ou en Chine. Cette stabilité, donc cette absence de guerre, si vous préférez, de guerre civile, permet de combattre l'inflation, donc de lutter contre la hausse des prix, ou encore d'avoir une politique pour favoriser l'éducation. Troisième partie, le développement économique peut passer par plusieurs voies. En effet, petit 1, il existe des économies qui ont une main-d'œuvre nombreuse, peu qualifiée, avec des salaires faibles. Ils développent des industries intensives en main-d'œuvre, qui utilisent beaucoup de main-d'œuvre. Après, ils développent dans le haut de gamme des produits et se diversifient. C'est par exemple le cas de la Chine, de l'Inde, qui utilisent une main-d'œuvre peu qualifiée pour le textile ou l'habillement, pour les produits manufacturés, mais qui se développe de plus en plus dans les nouvelles technologies, les services informatiques par exemple. Deuxième voie pour le développement économique, ce sont les économies qui disposent de matières premières recherchées par le reste du monde. C'est par exemple le cas de la Russie, qui possède beaucoup d'hydrocarbures, notamment le gaz. C'est encore le cas du Brésil ou de l'Inde pour les minerais, ou encore le Brésil pour l'agriculture. Enfin, il existe aussi des économies qui disposent de secteurs de haute technologie qui s'insèrent dans la mondialisation par l'innovation dans les secteurs spécialisés. Exemple du Brésil, de la Chine, de l'Inde, de la Russie par exemple, dans l'aviation, par exemple pour les petits porteurs pour le Brésil. On peut donc poser deux questions. Quels sont les visages de la mondialisation dans les pays émergents? La mondialisation uniformise-t-elle le monde? Je vous remercie. Created using Powtoon.